je vais peut-être replacer le travail que j'avais fait et soutenu comme thèse d'État en 1986 dans le contexte de ce projet de thèse. Il s'agissait de savoir pourquoi le châtaignier est dans certaines régions et pas dans d'autres, et avec l'hypothèse que ça n'était pas uniquement une question d'environnement. Le châtaignier est un arbre calcifuge qui a besoin d'un climat à la fois tiède mais avec assez de fraîcheur, donc qui convient bien aux moyennes montagnes siliceuses du sud de l'Europe. Mais comme ça n'est pas un arbre forestier, ce qu'il fallait c'était montrer, essayer de dégager les causes de la plantation des châtaigniers et surtout la date. Donc ça a été un travail de géographie historique, et donc j'ai assez rapidement trouvé, à partir du cas ardéchois qui a été, pour lequel je suis tombé sur des documents formidables, qu'on a planté surtout des châtaigniers entre le XVIe siècle, le XVe pour certaines régions d'Italie, et le XVIIIe siècle, fin XVIIIe, début XIXe, et après on a arrêté. Avant, il n'y en avait pas besoin, parce qu'il n'y avait pas grand monde dans les montagnes, et on se nourrissait à base des céréales, du seigle essentiellement, qu'on produisait dans ces montagnes. Et après, eh bien, ça a été à la fois la révolution agricole et l'exode rural, et donc on n'a plus besoin de châtaigniers et de châtaignes pour se nourrir. Et puis alors, le deuxième élément de contexte, j'ai voulu évidemment voir les paysages de toutes ces régions d'Europe qui sont magnifiques et passionnantes. Donc j'ai parcouru l'Europe, de l'Italie à l'Espagne, au Portugal, toutes les régions françaises où il y a les châtaigniers, la Suisse du Sud, les Balkans, et essayer de comprendre ce qui se passait aujourd'hui et de voir ce que devenaient ces châtaigneraies qui n'étaient plus nécessaires pour nourrir la population. Il ne faut pas oublier quand même qu'en 1900, il y avait en Corse,